la radio Many Times, le Classic Rock Radio, Pantera, le Walk, extrait de l'album Vulgar Display of Power. En direct avec nous, Olivier Vinyl Times pour ce soir, donc pour nous, un petit peu pour nous raconter son week-end, notamment du côté du REM Festival. Salut Olivier. Bonsoir. Bonsoir tout seul, ça va? Bonsoir tout le monde, oui, ça va, et toi? Ouais, très bien, très bien. Est-ce que tu es remis de ton voyage? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et mon Dieu. Ça a été très difficile en tout cas, quoi. Ça a été très, 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 très difficile, quoi. Imagine-toi un vol pendant une heure dix même, sur un vol de deux heures, donc 1h10, avec des hauts et des bas, et avec... Imagine-toi dans un Space Mountain, tu vois, dans un vol régulier, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ça monte, ça descend, ça bouge de partout. Les hôtesses de l'air, d'habitude, elles sourient. Là, elles avaient pas du tout le sourire. Donc, si tu préfères, c'était ouais, terrible. C'était quoi. Une bonne expérience, quoi. Bon, bah écoute. Ouais, à la différence que Madame Maroc, elle a fait des bisous sur le nez des avions, mais ça nous le dira tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, ouais, en tout cas, là, j'avais pas envie de faire un bisou sur le nez de l'avion, quoi. Voilà, voilà. Allez, Olivier, donc, le REM Festival ce week-end. Oui, et eh ben écoute, tout d'abord, deux jours de temps magnifique, ce qui est quand même. On a eu un week-end extraordinaire sur la France, donc dans des conditions parfaites, super continue. Festival. Ouais, et tu voilà. Continues en plus, ok. Ouais, donc super. C'était super beau temps, ouais. Pas, comme d'habitude, pas énormément de monde, ce qui reste pour le REM Fest, un festival à taille. À taille normale, et puis je dirais entre 450 et 500 personnes. C'est un très joli festival. Ouais, c'était très très bien, très très bien. Mmh. Franchement, des bons groupes, beaucoup de copains, beaucoup de monde qu'on connaît. Ouais, donc c'est... en plus de la musique, ouais. Pouvoir discuter de ça, de là, avec plein de gens autour de la musique, ça fait un week-end de très bonne facture. Ouais, le REM Fest, c'est un festival en famille, en famille et entre potes, quoi. Très beau festival, ouais. Le concept, il est génial. Voilà, donc je te l'ai dit, hein, tu viens avec, tu vois tes potes, tu vois, donc tu viens en famille, tu vois tes potes, tu passes un week-end superbe. Ouais, c'est génial, quoi. Toujours une belle programmation, bien ciblée. Le REM Fest a son propre public. Enfin, les gens, ils se déplacent, comme tu le dis, entre 450 et 500 personnes, c'est bien, ça pourrait être encore mieux, mais je sais que, ça fait très longtemps qu'ils sont là et les mecs, ils assurent, quoi. Ils s'assurent vraiment, quoi. C'est génial, ouais, quoi. Ce qu'ils font, c'est génial. Voilà, l'organisation est très très bien, mm-hmm. Donc ce qui fait que ça enchaîne vite, il n'y a pas trop de temps mort, bon à part dimanche on va en discuter deux secondes, mais, ouais. Mais voilà, donc ça reste voilà, quelque chose où t'apprécies, tu fais une pause, tu reviens, tu discutes, t'écoutes de la bonne musique, les deux jours passent très 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 vite, mm-hmm. Et j'encourage tout le monde à faire ce festival juste avant la rentrée et l'automne qui arrive après derrière. Ouais, qui arrive derrière. Allez, le samedi, les groupes qui t'ont plu. Eh ben écoute, le samedi, je dirais Hit, largement bien. Mmh. Vraiment, ce groupe, à chaque fois que je le vois, est de plus en plus performant. Mmh. Glenn Hughes fait du Glenn Hughes, hein, puisqu'il chante que du Deep Purple. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu sur cette tournée-là, il n'y a pas de surprise. C'est très carré, ça joue bien. Un peu trop long pour certains titres. Mmh. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu long. À 60, presque 70 ans, le voir encore sur scène, jouer comme il faut, ça reste le top des morceaux de Purple de son époque. Donc c'était très très bien. Mm-hmm. Et puis après dans les groupes, on va dire un tout petit peu en dessous, The Wolf très très bien, ce côté un peu Art 70. Bon après il faut aimer cette période-là. Mm-hmm. Et puis Il y a le public, c'est voilà. Ça, il y a le public, le REM Fest, c'est ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans des années 70 qui se présentent, quoi. Donc en tant que festivalier qui aime cette époque là quoi. Donc le REM Fest s'adresse à eux, quoi. C'est ça qui est génial, voilà. Clairement. Et puis après dans les retours Zodiac, juste pour en dire, c'était un groupe qui avait fait déjà deux ou trois albums je crois. Qui s'est arrêté il n'y a pas très longtemps et qui a remis le couvert, qui ont joué des nouveaux morceaux. Bon, les connaissant un peu moins, j'étais un peu moins emballé par Zodiac. Donc, c'est peut-être ma seule petite déception de ce samedi. Et puis en blues rock, qui était très très bien, Laura Cox,
qui va sortir prochainement son album là, le 4 octobre. Ouais. Elle a joué 1 heure, très intéressant à voir, à revoir avec son groupe. Là, ça prend forme et c'est de mieux en mieux. Donc, Dis-moi. Le blues rock de Laura Cox, pas mal. Dis-moi, tu peux m'en dire plus de Laura Cox? Parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de promos, pas mal de choses circuler sur Facebook, mais je t'avouerai que je sais pas, j'ai pas cliqué. Enfin, il faudrait que je m'intéresse un peu plus. C'est un groupe de la région parisienne? Oui, enfin, elle est assez jeune. En fait, Ouais. c'est elle qui est assez guitariste virtuose, D'accord. qui a un groupe derrière, bon, de bonne facture. Et là, elle va sortir son deuxième album, si je ne me trompe pas. C'est à suivre parce que le blues rock qu'elle nous propose est pas mauvais. Donc, c'est intéressant. Elle joue très bien de la guitare. Son groupe a l'air assez carré parce que ça fait un peu plus d'un an qu'ils tournent ensemble, si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment un bon espoir. Voilà, il y a D'accord. quelques groupes de blues rock qui sont français, qui tournent pas mal. Laura Cox, les Red Beans, dont on n'a pas parlé encore sur Vinyl Time, mais qui sont deux groupes là qui sont très 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 intéressants. Ouais, Donc à suivre. Donc pour notre programmation surtout quoi. oui, bah, l'album de Red Beans est arrivé, donc on va pouvoir le programmer. OK. Et Laura Cox, dès qu'on l'aura, bah, on pourra le passer. Mais c'est la bonne surprise à suivre parce que je l'avais déjà vu une fois où ça m'avait moins emballé et là je trouve ça beaucoup OK. beaucoup mieux. OK, le dimanche, allez. Bah, alors le dimanche, alors là mon ami, je pleure encore de toutes mes larmes. Electric Boys, Ouais, ça waouh déchire, hein. waouh Ouais, waouh 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 waouh. Alors là, ouais. les Suédois ont remis les pendules à l'heure. Hein. D'accord. Je peux te dire que le samedi soir j'avais discuté un petit peu avec Conny Bloom, leur chanteur, Ouais. qui m'avait dit que ça allait être, ils étaient en forme et qu'ils étaient contents d'être là. Et je peux t'assurer que Electric Boys, ce dimanche, ça a été voilà, quelque chose vraiment de. Déjà, On en a pris, hein. l'album Ghost War Diaries, c'est une tuerie, donc déjà. Donc j'imagine Ouais, un oui, et concert, puis quoi. Ouais. les titres classiques, It's Electrified, Ouais. Hangover and Corvus Over. Maximus, voilà, Gone, 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 Ouais. voilà, tout y est, Suffer. Ouais. Voilà, tout y passe et franchement, tout le monde était content. Enfin, tout le monde avait la banane. Donc, quand tout le monde a la banane, et on n'a pas eu de, voilà, il y a personne qui a dit, ouais, c'est pas terrible. Non, là, franchement, tout le monde était, voilà. Pour certains, je pense qu'il y en a qui ont découvert. Pour d'autres, c'était C'est la confirmation, quoi. même plus une confirmation parce que pour les avoir vus autant de fois. Mais là, franchement, quel bon moment, quel bon moment. Ok. Et ensuite, je crois qu'il y a eu un décalage, hein, avec un groupe suédois, quoi. Oui, après Nightfly devait jouer juste après, ils ont eu un problème de matos, donc ils ont. Alors c'est là où ça a été un petit peu le bazar sur la programmation, mais c'est là aussi où on voit quand même que le Redfest est très pro. Donc ils ont décalé, puisqu'ils ont eu le droit à Brian Downey dans son Live and Dangerous, l'album live de Thin Lizzy joué en entier par Brian Downey. Et puis après Phil Campbell. Donc en fait Phil Campbell, qui devait être tête d'affiche, a plutôt joué en fin d'après-midi. Oula. Et après, il restait le Proust et The Nightfly. Donc, c'est là où c'est un petit peu difficile le dimanche parce que beaucoup de gens venaient voir Phil Campbell, en fait. Et après Phil Campbell, il y a une grosse partie des personnes qui ont quitté le festival Ouais. juste après. Bon, en plus, c'était dimanche soir. Ouais. Beaucoup de gens travaillaient ce matin, Ouais. moi le premier. Donc, il y avait un choix à faire, soit rester un petit peu ou partir. Donc, bon, voilà, OK. c'est vrai que le dimanche. Le dimanche, The Night Flight à 22h ou 23h, voilà, c'est un peu tard. Ouais. Et puis, beaucoup de gens sont rentrés juste après. Donc, j'ai des amis qui sont rentrés à 3h du matin sur Paris, pour recommencer à 9h le matin. C'était voilà, un peu juste. Ouais, c'est un peu juste. Bah écoute, Mais bon, merci voilà, Olivier. très bon festival comme l'année Ouais. dernière. Ouais, très Et bon puis, festival. on y retournera l'année prochaine. Deux choses. Juste une. Ouais, Une toute petite info avant oui. de te laisser la parole. On a parlé du Golden Edge qui était à Liège au mois d'août. On a croisé les organisateurs, donc il y aura bien normalement, sauf contre ordre de dernière minute, il y aura bien un numéro 2 Ah, super. à Liège fin août ou début septembre. Super. Les annonces ne sont pas faites, mais il y aura bien un numéro 2. Les groupes dont j'ai entendu parler, je pense que ça va faire réagir dans les chaumières. Tant mieux, super, 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 super. Deux choses. La première, en parlant de Zodiac, tu m'as fait penser qu'il y a eu un groupe qui s'appelait Zodiac Mindwarp. Ça, il va falloir que je le ressorte, déjà. Oui, ah oui, c'est Voilà. Et très la bon, deux, très bon. et très très bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a Madame Maroc avec nous en direct ce soir. Bonsoir toute seule. Oui. Bonsoir tout Ah mon Dieu, planquez-vous. Alors là, planquez-vous. le monde. Alors, comment vas-tu?
Je vais bien. Je Ouais. vais très très bien. Voilà. Je regrette de ne pas avoir pu assister au Rammfest. Ouais, bah t'as entendu le résumé d'Olivier, tu vois. Donc il Ouais, a. puis j'avais des petits coups de cœur que j'aurais bien aimé voir live, là. Ouais, J'avoue. Electric Boys, Ouais. c'est le coup de cœur de la radio, hein, bien évidemment, mais l'album The Ghost World Jerry, c'est une tuerie totale, quoi. Il n'y a que des singles, c'est Ah du beau bah moi j'ai rock'n'roll. Hit quoi, Ouais, et t'as Hit Hit. j'adore, puis Je préfère. j'adore. Et puis Night Flight Ouais. Orchestra j'aurais bien aimé quand même. C'est mes deux coups de cœur moi. Ouais. Madame Maroc avec nous ce soir donc pour nous raconter les news. Alors il y en a eu, il y en a une ribambelle, il y en a pléthore comme on dit. Bon, elle a fait une sélection, notamment vous, c'est toute cette sélection bien évidemment vous pouvez la retrouver aussi. Vous pouvez retrouver les news sur le site vinitimes.fr. La première pour ce soir, c'est parti. Alors la première pour ce soir, eh ben écoute, pour ceux qui étaient au Rammfest, ils ont pu peut-être les croiser. Et du coup, il y en a qui ont peut-être pu discuter un petit peu de cette news Frenchie. Ben, nos copains d'Attraction Theory, on avait dit que vendredi 13, ils nous feraient une annonce des plus attracted. Et là, ben, ils nous font le plaisir de... Ils vont nous faire une petite release party en France fin d'année. Mais ils vont surtout faire une release party au Whisky à Gogo Bah à c'est bien. Los Angeles en première partie de Gus G. Et C'est bien, hein? ça c'est cool quoi. Ouais. Ça C'est la classe. C'est la là classe. ouais. Là on avoue le petit groupe Frenchie qui fera sa quatrième date, hein, qu'on se le dise quand même. Quatrième date à Los Angeles au Whisky à Gogo, ça s'invente pas. Et ça je trouve ça génial. Donc ceux qui auront le plaisir d'être à Los Angeles le 19 janvier. Ah bah profitez-en pour ceux qui pourront pas y aller parce que ça va être génial. Et toi, Voilà. et tu fais quoi, toi? Tu y vas? Ah écoute, je me tâte. Ah, tu te tâtes. Attends, tu fais des bisous, tu fais des bisous aux avions, tu vas bien trouver une petite place. Ouais. 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 Et Ok. puis des bisous, hein, je fais de la voltige dedans. Moi j'ai Oh. l'estomac qui est plus accroché que le tien. Ouais, ça c'est clair. Je pense que là-dessus, il n'y a pas photo, quoi. Next. Donc en attendant, voilà. Ouais. First news, Be Attracted 2020. Punaise, ça va être du bon. Ouais, ça va être du Moi, bon. j'ai eu la chance de pouvoir les croiser ce week-end parce que, on a discuté, bien sûr. Et je peux vous assurer qu'ils sont hyper, hyper, hyper motivés. Bah, c'est bien. Est-ce qu'ils vont nous reprendre Livewire de Mötley Crüe? Non, mais je pense que pour avoir discuté, je laisse Didier nous en parler quand on l'aura, mais il y a beaucoup, beaucoup de surprises sur ce qui va arriver pour eux. Et les bras m'en sont tombés dimanche quand j'ai discuté avec Didier. Donc, Là. je pense que Didier, dès qu'il aura l'occasion, il nous dira ce qui va se passer. Mais c'est voilà, c'est waouh. Ok. Allez, next news, Madame Next Rock. news. Yes. Ben, j'ai envie de parler d'une French Invasion. Ah bon? Bah ouais, il y a quoi? Il y a 15 jours, on annonçait que Frédéric Leclerc quittait Dragon Force. Et il rejoint, je te le donne en 1000, bon, pas en K2000. Ceci dit, je peux te le dire en 1000 Petrosa, il rejoint Creator. Et ça c'est juste énorme! Ça c'est bon, ça c'est Fred Leclerc, voilà, Fred. Alors là, je suis vraiment contente pour lui. Je suis contente pour toi si tu nous écoutes, Fred, parce que franchement, voilà, je pense que c'est. Non mais attends. On parle de temps en temps, on parle de temps en temps de certains qui ont des rêves de gamin, et là, je pense qu'il y en a un. Voilà, Ouais, ça fait des mais années qu'il est. écoute, Et là, il rejoint son Graal. tu peux me la refaire là, parce que là, j'ai une quinte de tout là. Tu peux me la Te le refaire s'il fait te en plaît? 1000 Petrosa! Ah ouais, c'est pas en 1000, c'est ni en K2000, c'est en 1000 Petrosa. Et ça, c'est pas mal ça. La running gag, Ouais. j'adore. On a toujours d'ailleurs. J'espère que tu t'en souviens quoi. You Bill. Punaise, j'oublierai jamais. Ouais, ok. Non, c'est C'est juste. la seule fois que ma vie que j'ai entendu un buisson parler, ça m'a fait drôle. Ouais, ok, c'est parti. Ouais, en En tout tout cas, cas, voilà, ouais, bon félicitations courage à Fred. Fred. Ouais, bon courage à Ouais, Fred en tout cas, génial pour lui. Et ouais. Il continue, il poursuit sa j'espère qu'on va l'avoir carrière, hein. très Il vite poursuit sa pour se carrière. faire une petite. Ouais, j'espère qu'on va l'avoir très bientôt pour se faire une petite interview là Ah, j'espère, ouais, tiens. dans les petites news, ce serait cool. Je Ouais, suis ce très serait bien contente de d'avoir Fred l'avoir avec nous. sur Madame Ouais. Maroc et tout. Je suis sûr qu'on passerait quelques minutes très intéressantes. Yes. Allez, Yes. next. Next. Écoute, alors tout de suite, on était avec Attraction Theory, avec une Ouais. chanteuse. Et là, je découvre que Flore, chanteuse de Nightwish, elle serait d'accord pour représenter son pays à l'Eurovision. Et moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien quand il y a des artistes rock ou métal qui vont mettre un peu le bazar sur la scène de l'Eurovision. La seule fois de ma vie où j'ai voté à l'Eurovision, c'était quand il y avait Lordi.
Et j'étais bien contente. Ouais, je crois que la donc, seule fois. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une artiste comme ça. Voilà. Et puis je pense qu'on serait nombreux en France à voter pour elle. Donc ça pourrait être top. Vu qu'on n'a pas le droit de voter pour la France, on aurait plaisir à voter pour eux, quoi. Ouais, bon, la France ne gagne jamais. C'est connu. Oui, c'est, bah oui, tu vois là, tu vois bien la popularité européenne. Tu regardes à peu près. On a toujours zéro point. Mais bon, vu ce qu'on envoie. Vu ce qu'on balance, enfin vu ce que les programmateurs balancent à l'Eurovision, c'est sûr qu'on gagnera jamais, quoi. Ça c'est clair, oui, c'est net. Mais c'était tellement énorme avec l'ordi quand on avait notre champion Michel Drucker qui disait oh mais au secours, mais pas ça. Et puis quelques jours après, il les avait en plateau sur son émission parce qu'ils étaient partenaires. C'était énorme. Oui, c'était Drucker et Claude Thiard. Ouais, je m'en souviens très bien. Mais la Finlande avait super bien joué, histoire de faire parler de leur scène heavy metal, notamment hard rock, celle qu'ils ont subventionnée depuis très longtemps. Et ils ont eu un résultat là-dessus sur les. Ouais. C'est. Il y a 2 ans que Tobias Sammet s'était présenté aux sélections pour l'Allemagne avec Avantasia. Hein. Ouais. Et il y a eu aussi Gusji quoi qui a fait une apparition l'an passé aussi. Ben ouais, c'est génial. Bon, il y a eu Apocalyptica qui a fait du guest aussi. Non, c'est chouette. Moi, j'aime bien quand il y a des groupes comme ça, des artistes qui vont remuer un petit peu. Et je pense qu'elle aurait vraiment ses chances parce qu'il y aurait vraiment, je pense, toute la fanbase métal européenne qui la suit sur ce plan-là. Il y aurait moyen là. Il y aurait vraiment moyen qu'elle mette un sacré bazar. J'avais découvert Wigwam aussi. Wigwam, le groupe de glam, je sais plus, je crois que c'est des Suédois, je crois. Norvégien. Donc j'avais découvert Wigwam que j'ai trouvé pas mal. Et alors effectivement, j'imagine que si Flore se présente avec les Pays-Bas, j'imagine les fans de Nightwish à travers le monde qui vont voter quoi. Ouais, pas mal. Ah bah oui. Hein? Il est en train de parler à son voisin. Il dit arrête, on est en direct. Ah là non, il y a Dorian. Il est en train de se faire engueuler. Ouais. Arrête de manger de la viande. Ok. Allez, next. C'est pas beau de se moquer, c'est pas beau. Ma vengeance sera terrible. Okay. C'est bas de la délation. Vous serez interdit d'antenne la semaine prochaine. Ok, allez, bon, next. Alors, next. Alors, pour ou contre les groupes qui réenregistrent des albums 25 ans après? Moi, je suis contre. Voilà, on a Machinehead. Alors, qui se reforme partiellement pour les, c'est jamais les bien. 25 ans de l'album Burn My Eyes. C'est jamais bien. Ce coup-ci, ils ne font pas, ils font pas une reprise remaster, réenregistrée, juste en studio. Ils font une version live, genre gros bœuf, répétition entre potes, avec le son. Ouais. Donc je me dis, ça fait un petit bootleg officiel qui est sympa. Ouais, oui, c'est bien, mais je sais pas, ça vaudra jamais. Parce que quand tu sors album, c'est arrivé à Flotsam and Jetsam qui a fait No Place for the Disgrace, qu'ils l'ont réenregistré. Oh, c'était une catastrophe le retour. Tu peux pas, t'as plus la même vibe, t'as plus les mêmes sensations qu'il y a 20 ou 30 ans, mais c'est ce pas la peine. Ce qui est quoi. Sympa pour moi, voilà. Je trouve que c'est le fait qu'ils le réenregistrent pas en version studio, ils le réenregistrent en version bœuf. Ouais, répète. Live. Ouais. Donc je trouve que pour les fans, ça fait un cadeau sympa. Ouais, c'est un truc. Ouais, j'espère que ça va fonctionner, quoi. Mais je le sens Olivier, pas. Olivier, t'en dis quoi ? Oh, moi j'aime bien quand il y a ce type de, alors pas dire de nouveauté, mais c'est réenregistré. Alors après, ça dépend si tout est fait à l'identique ou s'il y a des petits changements. Parce que pour le coup, des fois, quand il y a des petits changements, des choses qu'ils n'ont pas pu faire, un instrument qu'ils ont plus mis en avant ou d'autres, ça peut être intéressant à réécouter. Donc je suis partagé, 50-50, parce que autant des fois, c'est comme le dit Arak, ça peut être nul. Ouais. Et l'exemple qu'il donne, il est flagrant. Ou des fois, ça peut être intéressant parce qu'on entend quelque chose de nouveau. Alors attends. Quand c'est réenregistré, c'est nouveau. Maintenant, alors attends. Attends. Voilà, j'ai quand même l'antithèse. J'ai l'antithèse de ce que je dis quand même. Saxon, par exemple. Tu prends Saxon. Saxon, quand ils réenregistrent leurs anciens titres avec une prod d'aujourd'hui, ça déchire. C'est clair, c'est net, ça tue. Voilà, c'est oui, tout. Quoi, c'est... Pas... Comme quoi il y a que pas le matériel, c'était pas le même matériel qu'à l'époque non plus. Oui, mais Saxon, ils ont gardé leur vibe quoi. Biff a gardé son style, tout est resté quoi. Donc ça a évolué avec les années, tout en restant Saxon. C'est pour ça que ça sonne. C'est pour ça que d'ailleurs on a les versions orchestra sont juste absolument magnifiques. La version CD deuxième CD de l'album Killing Ground avec le Princess of the Night. Oui, on est là, on est toujours là. Et on a perdu Olivier. Non, c'est bon. Ok, donc je disais Saxon, la version CD numéro 2 de l'album Killing Ground avec les titres réenregistrés type Princess of the Night, type Dallas 1 PM, c'est juste magnifique. Oui, très bien, très la bien, version orchestra donc de Eagle Has Landed, de Broken Heroes, sont magnifiques, c'est absolument génial. Donc tu vois, il y a des groupes pour qui ça marche et il y a des groupes pour qui ça ne fonctionne pas quoi. C'est voilà, ben, time is time. Affaire à suivre. Et puis bon, ils vont nous faire deux petites dates en 2020 pour ceux qui n'auront pas l'occasion de les voir le mois prochain à Paris. Ouais. Ils nous font deux dates en 2020.
vin et c'est sympa parce que du coup ils font, je crois que c'est Lille et Toulouse. Ouais, c'est ça. Donc moi je trouve que c'est sympa en plus de faire profiter un petit peu la province parce qu'il y en a marre que ce soit toujours à la capitale. Ouais, et Saint-Malo chantait. Ouais, bien évidemment. Ok. Voilà. Encore une petite news ou it's done for tonight? Une petite. Écoute, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à un groupe. Alors c'est plus la scène néo-métal, ouais, mais qui a fait un truc sympa parce que voilà, je vais parler de Papa Roach. Ouais. On a abordé plusieurs fois dans l'émission les groupes qui s'impliquent pour faire de la prévention auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, tout ce qui est maladie mentale, dépression, etc. Et là, ils ont fait un clip pour leur nouveau titre, pour leur titre Come Around, et ils ont mis à l'honneur un de leurs fans. Ah, génial. Ça fait pratiquement 20 ans qu'il est fan du groupe, il les suit depuis toujours, et je crois qu'il les a vus presque 60 fois en concert. Mm-hmm. Et en fait, ils expliquent que ce gars-là, voilà, toute sa vie s'est faite autour de l'histoire de Papa Roach, il a rencontré sa chérie en concert, voilà, etc. Et puis que quand sa sœur est décédée, mm-hmm, il s'est reconstruit à travers la musique. Mm-hmm. Et ça l'a aidé voilà, de ressortir, de la musique l'a aidé à avancer. Et ils ont mis ce gars-là à l'honneur dans le clip de cette chanson-là pour montrer qu'voilà, on peut avancer, il faut pas baisser les bras, la musique peut t'aider à... Bien sûr. Voilà, donner des objectifs, une date, un concert, un truc où tu as envie d'aller qui fait que tu baisses pas les bras et que tu as envie de sortir. Et c'est, voilà, c'est super fort parce que tout le monde peut s'identifier à un moment où tu as une période un peu bad trip. Et ce mec-là s'est accroché à la musique. Et puis, lors de ce concert-là, donc là, le clip est vachement bien fait parce que tu vois une petite story sur toutes leurs rencontres, tu vois des images d'époque où il est backstage en train de faire des signing sessions, etc. Mmh. Et à la fin, il se fait remettre, bon, un disque de platine, ça c'est une chose, mais il se fait remettre un pass pour la vie. Ah bah c'est bien. Pour deux personnes. Donc en gros, il est invité à n'importe quel concert dans le monde, gratos, pour toujours, à son groupe préféré. Et là, je dis, ça c'est un lien qu'il y a entre des artistes et des fans qui est vraiment énorme, ça montre que voilà, tu peux pas être, des fois t'es fan, mais les artistes peuvent être aussi fans de toi et ça c'est cool quoi. Ouais, Queen Thrash, ils n'ont jamais fait ça. On leur a mérité nos passes, hein, à vie. Hein. Ah, on aurait mérité tous les deux. Hein. Ah, largement même, ouais. On aurait mérité. Hein. Ouais. Franchement, on l'aurait mérité. Ouais, ouais. Tu vois, à chaque fois on revient sur Queensryche, c'est clair, hein, c'est terrible. Tout quoi. Le temps. Tout le temps, tout le temps. Madame Arock, merci pour les news de ce soir. Je rappelle que les news, vous pouvez les retrouver sur le site vinyltimes.fr. Yo, merci à vous deux en tout cas. Merci Olivier Vinyltimes, merci Madame Arock. Merci, ouais. Bonne soirée, bonne semaine. Ouais, ouais. Tu veux dire un dernier truc? Bien sûr, tu aimes Udo, je parie. Hein? Tu aimes Udo? Non, j'aime pas Udo. Udo bon. Berkschneider. Ouais. Ok. Non, je voulais dire bon anniversaire, Badi. Ah, Badi. Bon, écoute, on lui souhaite un bon anniversaire. Très bien, c'est ouais. Passé. Yeah. Ouais. Badi. Ok, ça marche. Ok, allez, on continue en musique avec Insomnium. Le titre de ce soir, c'est Hurt Like a Grave sur le 113 Rock, sur la radio Mini Times, le Classic Rock Radio en musique. Et ça sera suivi de Heart More Down avec le titre Ragnarok sur le 113 Rock. Arag Melodica Macum, le son rock.